Faire connaître le fonds d'entretien routier du grand public, c'est l'objectif d'une vaste campagne de sensibilisation et d'information lancée ce matin à Ouagadougou. Le plan de communication mis en place devrait donner une plus grande visibilité aux activités de ce fonds mis en place pour le financement et l'entretien du réseau routier du Burkina Faso. Quelles sont les actions qui seront menées durant cette sensibilisation? La réponse avec Moumouni Soubega. Le fonds d'entretien routier du Burkina est une initiative du gouvernement. Le financement du réseau routier du pays est l'une de ses missions. C'est une mission qui implique les usagers, mais il ressort que seulement 38% de ces usagers connaissent ce fonds. Au regard de la mission importante qui est de financer l'entretien routier sur l'ensemble du territoire, au regard de l'importance des routes dans notre pays, dans l'économie de notre pays, il est nécessaire de faire une véritable campagne de communication si on veut réellement atteindre les objectifs qui sont de faire de telle sorte que les routes soient les piliers du développement de notre pays. Un plan de communication accompagne cette campagne. Question de permettre à ces fonds d'assurer un ancrage et un accompagnement institutionnel pour l'atteinte de ces objectifs. La préservation des infrastructures routières est un défi majeur pour le Burkina Faso. Notre pays est sans accès immédiat à un littoral maritime, mais constitue un carrefour de transit pour plusieurs de ses voisins. L'essentiel de ces approvisionnements et de ces échanges se fait par la voie terrestre. Pour cela, le Burkina se doit non seulement de disposer d'un réseau routier performant, mais d'agir à le maintenir constamment en bon état. La campagne va durer 4 mois et se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Elle vise également à responsabiliser les usagers sur l'entretien, la protection et la sauvegarde de ces patrimoines communs.